l'importance pour sécuriser l'approvisionnement de la paille, c'était de pouvoir la prendre dans le format où on la trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la paille partout en France. En revanche, elle est dans le format agricole, donc une grosse botte de paille de 250 kg, un gros pavé. Et donc, il fallait pouvoir travailler cette forme-là. Et donc, pour ça, on a créé cette machine-là qui nous permet justement de prendre la paille au format agricole, de la décompacter donc dans cette partie-là, et ensuite, on va la renvoyer en flux continu. C'est ça qui était compliqué. À une presse agricole d'antan, donc classique, mais qui va ressortir des plus petites bottes qui sont manuportables. Et donc, grâce à ça, on passe du format agricole conventionnel, qu'on trouve partout en France, au format BTP que nous, on va utiliser dans les montants. Voilà, la botte de paille donc, dans ce format-là et avec cette épaisseur-là, elle permet à notre structure d'avoir un R de 8. Donc, pour de manière très concrète, un R de 8, c'est le double de ce qui est préconisé, enfin ce qui est demandé dans RE 2020. Pas de problème pour suivre ces réglementations-là. Et en fait, on va même au-delà, puisque en fait, ce R de 8, il nous permet d'être cohérent également avec le label Passive House. Donc le label Passive House, c'est le label qui décrète qu'un bâtiment va dépenser moins de 15 kWh par mètre carré par an pour son chauffage. Et en fait, c'est un seuil qui demande, entre guillemets, le moins d'efforts pour le maximum de résultats, on va dire. Voilà. Bon, donc tout d'abord, pour rappeler, la mission d'Isopaille, c'était de proposer un système constructif qui soit décarboné, donc qui utilise le moins de carbone possible. Et pour ça, il fallait travailler sur deux facteurs. L'énergie grise, donc l'énergie qu'on utilise pour créer le bâtiment, et ensuite l'énergie que va dépenser le bâtiment au cours de sa vie, par exemple au chauffage. Donc sur l'énergie grise, c'est le choix de la paille, qui est un matériau qui est biosourcé et qui demande très peu d'énergie pour être créé, enfin quasiment pas, et le bois, à la différence du béton par exemple. Et sur l'énergie que le bâtiment va dépenser au cours de sa vie, il fallait avoir une performance thermique élevée pour justement dépenser très peu de chauffage. Et dans la structure d'Isopaille, dans les murs Isopaille, on a justement cette ossature qui est découplée. Donc l'ossature, normalement, elle est ici. Il faudrait imaginer un seul montant de bois qui traverse la structure et qui monte et qui vient soutenir la maison. Mais nous, ce montant en bois, il est coupé en deux. Pourquoi du coup? Déjà pour être moins gourmand en bois, donc dépenser moins de bois, puisque ici il y a de la fibre de bois et pas du bois massif. Être moins gourmand en bois, être plus léger, et en fait aussi venir casser ce qu'on appelle un pont thermique. Donc là, il faut imaginer que ça c'est le mur, donc il se prolonge comme ça, et tous les 60 cm, on a justement un montant en bois. Et en fait, ce montant, il viendrait créer un pont thermique, c'est-à-dire qu'en fait, il est moins isolant que la paille, et tous les 60 cm, on aurait un pont thermique. Ici, en venant casser le pont thermique en ne mettant pas de bois, et en remplaçant l'absence de bois par de la fibre de bois flex, qui est un isolant, on vient justement casser ce pont thermique. Et il n'y a plus qu'un petit pont thermique qui est cette planche d'OSB qui relie les deux montants entre eux.